Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Manon, cofondatrice de l'association Les Petites Cantines Bordeaux. C'est parti. Les Petites Cantines est une association à but non lucratif créée en 2016. Elle réunit aujourd'hui 12 cantines qui sont ouvertes et autant en cours de montage. C'est le cas des Petites Cantines Bordeaux. Aujourd'hui, on est trois porteurs de projet, Renaud, Camille et moi-même. L'idée, c'est de provoquer des rencontres et faire se côtoyer des personnes qui aujourd'hui se croisent mais ne prennent plus le temps de se connaître et de partager des moments conviviaux ensemble. Les Petites Cantines reposent sur trois piliers que sont l'inclusion par l'action, donc via la cuisine participative, des repas de qualité, et par qualité on entend des produits issus de l'agriculture locale, des ingrédients issus d'un circuit court, bio. Le troisième pilier qui est très important pour nous, c'est le paiement qui est libre. Pourquoi la ville de Bordeaux organisait 4 cantines éphémères et systématiquement les inscriptions ont été complètes? Je pense que c'est une preuve qu'il y a effectivement un réel besoin sur la métropole de Bordeaux. Le prix des jeunes associations aujourd'hui est un tremplin qui va considérablement modifier la voilure de notre projet, justement nous permettre d'avoir cette visibilité, ce réseau, bien que de par la subvention, va aussi nous permettre de pouvoir agrandir le champ des possibles dans l'organisation d'événements. La finalité du projet, c'est de pouvoir avoir notre local de manière pérenne. Le deuxième challenge, c'est effectivement de trouver les financements qui vont nous permettre d'ouvrir ce local. Les petites cantines éphémères sont un premier pas pour ensuite pouvoir justement initier cette ouverture de cantine que nous espérons début d'année 2024. À bientôt.